La biopolitique renvoie à une gestion de la vie et à une gestion des vies à travers des flux, des populations. Donc, elle renvoie en quelque sorte à une prise en compte assez gestionnaire du déplacement des populations. Et nous défendons dans le livre l'idée que précisément en termes de politique migratoire et en termes d'accueil des migrants, eh bien, on devrait pouvoir promouvoir des politiques de l'individu. Parce que précisément, les migrants sont des individus qui ont des projets, ce sont des individus qui ont fait face à de nombreuses épreuves, l'épreuve de l'exil, la tentative précisément d'entrer dans un certain nombre de pays où ils sont généralement mal accueillis, le fait de quitter leur vie. Et donc, une politique de l'individu permet de mettre l'accent sur l'importance des histoires individuelles et collectives des migrants et sur le fait que ce sont des personnes avec vraiment des projets de vie, une rationalité, une volonté aussi d'aller quelque part une fois qu'ils ont quitté un pays où ils ont été forcés de partir.